Désolé. Mon ventre. Aidez-moi. Désolé. Hey, Jelena, t'es une bête, Jelena. Qu'est-ce que se passe? C'est quoi le problème? Je sais pas où. Elle dit qu'elle a mal à l'estomac. Qu'est-ce que tu dois faire, ma fille? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je n'ai rien fait. Qu'as-tu fait, ma fille? Elle a juste mangé la nourriture des papas. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Elle était en train de manger la nourriture. N'est-ce pas que c'était à garder pour mon mari? Je n'ai rien fait du tout. Quel tort as-tu causé à ma fille? Adako! Jidena! Jidena! Es-tu sûr que tu n'as pas une mainmise au sujet de la mort de ta cousine Adako? Prêtresse, je jure sur la tombe de mes parents. C'est garçon, c'est la chose. Il faut ne sais pas ce qui lui est arrivé, honnêtement. Mensonge! Tu as menti, Jidena! Tu as tué tes parents. Et maintenant, oui, c'est ça. Tu as encore réussi à tuer mon unique fille. Exactement. Il Adako. A tué notre fille. Oui, notre fille. Amanyora va te tuer aujourd'hui. Oui. Maintenant, tu vois jusqu'où tes mauvaises œuvres t'ont amené. Oh oui. Hein, toi? Réalises-tu le tort que tu m'as causé? Silence. Silence, tout le monde. Maintenant, Jidena. Lève-toi. Tu dois boire cette potion. Mm-hmm. Si tu as une mainmise au sujet de la mort de ta cousine, tu mourras dans 2 jours. Oui. Mais si tu es innocent et que tes mains sont propres, tu vivras. Non, il n'est pas innocent. Jamais. Il n'est pas innocent. Jamais. Mais il n'est pas innocent. Ceci. Prends-le. Bois. Vas-y, bois, sorcier. Bienvenue, Tantune. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la lessive comme vous me l'avez demandé. Depuis le matin. Tu continues de le laver jusque maintenant? Il y avait tellement beaucoup d'habits. Ça, c'est le dernier. Tu n'importe quoi, ferme ta bouche. As-tu préparé le dîner? Approche. Je voulais d'abord finir la lessive. Approche ici, je dis. Je n'avais pas les... Pour qui te prends-tu dans cette maison? Pour qui te prends-tu? Tantine, s'il vous plaît. Quel est ton travail? Tantine, s'il vous plaît. Faire tout ce que je demande de faire. C'est quoi ton travail dans cette maison? Je vais le faire. S'il vous plaît. Je vais dans cette maison. Imbécile. Stupide idiot. Attends, je vais te tuer aujourd'hui. Tantine, s'il vous plaît. Je vais régler ton compte aujourd'hui. Tu apprendras ta leçon. Prochainement, tu feras ce que je t'ai dit de faire au moment où je te l'ai demandé. Imbécile. Tantine, s'il vous plaît. Tantine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Tantine. Tantine, ça fait mal, s'il vous plaît. Je ne veux plus jamais se répéter. Mes bras me font mal, s'il vous plaît. Mes bras tremblent. Tu n'as encore rien vu. Tantine, me tremble, s'il vous plaît. Mais Tantine, s'il vous plaît, ça ne va plus jamais se répéter. S'il vous plaît, Tantine. S'il vous plaît, Tantine, s'il vous plaît. Tantine, s'il vous plaît. Tantine. Qu'est-ce que s'est passé ici? Bienvenue, papa. Bien, mon mari. Bienvenue.
Oui, ça va. Oncle est bienvenu. Qu'est-ce que cet inutile de garçon est en train de faire là? Mon mari, qu'est-ce que tu n'auras pas vu avec ces garçons? Hein? Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces garçons. Regarde, regarde toute cette avalanche d'habits. J'ai demandé à Jidena de laver ses habits depuis le matin. Tôt le matin. Et il n'a rien fait. Et il ne l'a pas fait? Pas du tout. Hey! C'est maintenant qu'il a trouvé mieux de le faire. Il n'a même pas préparé le dîner. Tu m'as dit qu'il n'a pas. Il n'a pas préparé le dîner. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Ça veut dire que nous allons nous endormir tous avec un ventre affamé. Il n'a rien fait. Donc tu n'as rien préparé ici dans cette maison? Dites-moi, c'est vrai ça? Il y avait beaucoup d'habits, je n'arrive pas à les finir à temps, s'il vous plaît, oncle. S'il vous plaît, oncle, pardonnez-moi. Très bien, c'est toi que je vais manger aujourd'hui. Tu dois lui donner son compte ce soir. Même les habits, tu n'as pas terminé. Oh, s'il vous plaît, oncle. Si seulement. Donne-lui sa licence. Je te mangerai aujourd'hui. Oncle. Je me demande même pourquoi tu n'es pas mort avec tes parents. Oncle. Oncle, dis-moi pourquoi. Comme c'est ça, seulement papa. S'il vous plaît. Tiens bien. Mon mari, fais attention, risque de te faire tomber ces bois. Bien. Juste au pied, fais attention. Un paria imbécile. Un enfant maudit. Hein? Regarde. Regarde. Il est toujours en larmes. C'est un enfant maudit. Ses parents sont morts quand il naissait. C'est un peu ça. Tu veux me dire que c'était un enfant diabolique? Oui, oui. C'est ce que ma mère avait dit. Selon l'histoire de notre village. Aucune femme n'est morte pendant l'accouchement. Chai, ah, ça fait pitié. Laisse-moi l'appeler si pour tu essaies cela, veux-tu qu'il t'initie à ses puissances démoniaques? N'ose jamais l'aider. Ah. Tu me menaces? Oui, ce qui arrivera s'il devient ton ami. Il me fait juste pitié. Maman, désolé. Oui. Désolé. Maman, mais pourquoi vous transportez ces bois lourds vous-même? Hein?
Je n'ai pas de fille ou de fils. Je n'ai personne pour m'aider. Ok, je vais vous aider. Où se trouve votre maison? Tu étais allé puiser de l'eau. Qu'arriveras-tu à ton nom? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais prendre votre bois. Je vais utiliser ma brouette. Ne vous inquiétez pas. Merci, mon fils. Merci. J'arrive. Donnez-les-moi. Oh, que Dieu te bénisse. Et c'est à l'endissement, hein? Oh. Petit à petit, on va arriver. Passer ces garçons. Depuis le matin, il n'y a même pas une goutte d'eau dans cette maison. Ok. Adako, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai tellement soif. Attends, sois calme. Sois calme. J'ai envoyé cet insensé de garçon pour aller puiser de l'eau depuis le matin. Et jusque maintenant, il n'est pas encore de retour. C'est quoi cette histoire? Rassure-moi que quand tu reviendras, tu vas les frapper jusqu'à ce qu'il va perdre sa vie. T'inquiète, je m'occuperai de lui. Attends son retour. Tati, bon après-midi. Bon après-midi. Jidena, garde ta salutation. Approche ici, vite. Vite. Je suis là. D'où viens-tu? À genoux. À genoux. À genoux. Imbécile. Désolé. Tu ne fais que les sorties. Désolé, Tanti. Idiot. Désolé. Je t'ai envoyé. Désolé, Tanti. C'est maintenant que tu rentres. Ma fille a soif. Pendant qu'il n'y a même pas une goutte d'eau à la maison et tu es parti pour l'éternité. Tu n'écouteras pas toi, ces garçons. Désolé. Tu n'écouteras pas. Tu n'écouteras pas. Je vais te tuer dans cette maison. Attends. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Prends-moi cette babouche. Je vais te. Attends. Très bien. Tanti, je vais te tuer aujourd'hui. Tu mourras. Tu vas mourir. S'il vous plaît. Puisque tu n'entends pas, tu vas mourir. Allez, vas-y. Imbécile. Mon amour. Mon amour. Mon amour de mari. Ma très bien-aimée femme. Tu sais que je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime, ma femme. Dis-moi, tu ne veux pas que nous allions... Allez, arrête. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, arrête. Ah. Arrête. Tu sais, très bientôt, Jide va devenir un homme. Je sais que le terre et tout le terrain que nous avons appartient à son père. Même avant sa mort, ton père a passé tout ceci à son père. Le terrain, les propriétés, les maisons, tout ce qu'il avait. Et pour toi, il n'a laissé qu'une petite portion de terre que tu connais,
qui est presque insignifiant. Eziogo. Tu n'oublies pas que depuis la mort de ses parents, c'est nous qui sommes en gestion de toutes ses propriétés, tu le sais bien. C'est ça. Oui, c'est la vérité. Très bien. Ok, maintenant, il va avoir de l'âge très bientôt. Et il risque d'avoir tendance de vouloir prendre le contrôle de toutes les propriétés et toutes les terres qui appartiennent à son défunt père. Et nous, nous resterons avec rien du tout. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends? C'est vrai, oh. C'est vrai, ma femme. Alors, on fait quoi maintenant? Une très bonne question. Une très bonne question. Donc, approche. Approche. Tu me... Non, pas ça, ça, je ne ferai pas ça. Tu le feras. Non, nous ne ferons pas ça. Tu le feras. Je dis que nous ne ferons pas ça. J'ai dit que tu le feras pour le bien-être de nos enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Ainsi, nous hériterons les terres et toutes les propriétés. Et laisse-moi t'avertir, si tu ne fais pas attention, quand ce garçon va grandir, il deviendra un homme. Il va s'apprendre à nous. C'est pourquoi tu dois réagir vite. Hey. Arrête de rêver, ouvre tes yeux et gagne le temps. Hey. Ah. Ma chère épouse, tu viens de dire la vérité. Oh. Au moins, tu comprends. Mais tu sais bien que ça va être très difficile, non? Rien n'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Demain, on ira le voir tôt le matin. Ce n'est pas si difficile que ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Très bien, j'y penserai. Non. C'est maintenant que tu dois y penser. Pas question de reporter demain. C'est maintenant que tu dois y penser. Ndouga, il n'y a rien à tarder là-dessus. Et c'est quelle sorte de vie, ça? Et c'est quelle sorte de vie? Et c'est quelle manière de vivre, ça? Les gens avec qui je vis ne me voient pas comme l'un d'entre eux. Seigneur, si vraiment c'est comme ça que tu veux que je vive, et si c'est comme ça que tu veux que ma fille doit être, pas de problème. C'est quelle vie ça? Toi, Judena, tu as vu ses habits? Lave-les et sois-en sûr que tu les as bien lavés. Sinon, je demanderai à ma mère de s'en charger de toi. Imbécile! Quoi? Mais c'est les habits que je les suivais hier. Mais je les ai suivis hier. Et alors? Et alors? Tu dois les laver et très bien les laver. Bêtise! Mais bêtise! Ce n'est pas normal. J'ai lessivé ces habits hier. Mais tous ces habits, je les ai lessivés hier. Pourquoi devrais-je encore les lessiver? C'est quoi cette méchanceté? Je suis votre frère. En tout cas, ce n'est pas gentil. Je les ai tous lavés hier. Regardez. Je les ai tous lavés hier. Mais tu veux que je les lave encore? Est-ce que c'est sale? Je suis aussi ton frère. Je vais encore les lessiver si c'est ce que tu veux. Bien, Judena. Lève-toi. Tiens-moi ces habits. Vas-y, tiens ton oreille. Je veux que tu laves ces habits. Assure-toi de bien les laver. Je sors pour voir un ami. Assure-toi de bien laver ces habits. Tiens ton oreille. Assure-toi de bien laver ces habits. Je sors voir un ami. M'as-tu entendu? Sale bouc. Yeah.
Enfin, elle est là. Oh! Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Qu'est-ce qui t'a arrêté? J'étais là à t'attendre. Chérie, je suis désolée. Je devais tromper mon mari pour trouver mon chemin, lui disant que je partais à un autre endroit. Tu sais comment ces hommes stupides se comportent, non? Ce n'est pas. Alors, je suis désolée. C'est pourquoi je n'ai pas pu me libérer à temps. Bien, je comprends. Excuse-moi. Bien. Non, ce n'est pas. Qu'en est-il de notre premier plan? J'espère que tu travailles toujours sur comment l'éliminer. Oh, bien sûr que oui. Oui, je le fais. C'est vrai, rien de d'idée. Ces garçons stupides, cette mouche, très bientôt, elle va disparaître de la surface de la Terre. Ça ira très vite. Tu me connais, non? Fais-moi confiance. Confiance. La prochaine nouvelle que tu entendras, ça sera celle de sa mort. Ce n'est ça plus pour longtemps. Il sera déjà à l'enfer. C'est ainsi que tous ces biens, propriétés, terres, vont revenir à moi et toujours. Toi pour toujours. Ensemble pour toujours. Je t'aime aussi. J'ai déjà parlé à cet homme qui va nous trouver une maison là-bas en ville. Il suffit que nous soyons prêts. Non, ce n'est pas vrai. Tu l'as fait? Exact, oui. C'est parfait. Il a promis de trouver une maison en ville une fois que nous serons prêts. Alors... Ah, c'est pourquoi je t'aime, mon bébé. Je t'aime aussi. Alors, comment vont mes enfants? C'est très bien. Fais-moi confiance. Ça va marcher sans problème. Oh oui, je ne veux pas te déranger pour ça. Mon bébé, vas-y, je sais que ça fait longtemps que tu as profité de cette beauté. Allons-y, allons-y. Allez, entrons. Allez, viens. Tout est à toi. C'est à toi. À toi. Pour toujours. Allez, allez, allez. Allez, doucement. Allez, entends, dépêche-toi, je tremble déjà. Oh mon Dieu! Que je continue. Ça y est, tu peux t'arrêter là. À la même place. Maman, ici c'est à la même place que vous m'avez demandé de m'arrêter l'autre fois. J'aimerais connaître votre maison. Mon fils, te dérange pas pour ça. À partir d'ici, je peux me débrouiller. Maman, pourquoi vous vous transportez ces colis? Vous-même, ça pèse vraiment. Pourquoi vous n'avez personne pour vous aider? C'est comme je te l'avais dit. Je n'ai pas de fils, ni de filles qui peuvent m'aider. Je fais tout moi-même. Ok, alors, laissez-moi vous accompagner avec les colis jusqu'à la maison.
Et c'est comme ça que je sais que je vais compliquer ce que j'ai commencé. T'inquiète pas, mon fils. Je vais m'occuper de ça. T'inquiète pas. Ok. Jidenna, tu as un bon et aimable cœur. Machi va te bénir. Mets-toi, Jidenna, laisse-moi prier pour toi. Tu connais, dans la vieillesse, on fait tout lentement. On n'a plus été la force. Mon fils, tout ira bien pour toi. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun homme ou une femme ne pourra te tuer ou te faire du mal. Tu vivras longtemps et tu verras tes petits-enfants. Et la richesse ne quittera jamais ta maison. Tu seras toujours heureux. Merci, maman. Puis-je maintenant partir? Oui, tu peux partir. Ok, maman. Tu dois rentrer vite à la maison. J'ai pas envie que tu arrives en retard. D'accord, maman. Oui. Au revoir. Merci. Mon amour, s'il te plaît, tu dois partir maintenant. Le voyage est très distant. C'est pour que tu reviennes à temps. Tu me comprends? Écoute-moi, ce que je veux te demander, c'est que... est-ce que ce que nous voulons faire là, dis-moi, est-ce que c'est bien? Bien sûr que oui. C'est la bonne chose à faire. Mon mari, écoute, je veux que tu sois un homme. Sois sage et avance avec intelligence. Parce que c'est pour notre bien. Nous sommes en train de nous rassurer que toute la terre laissée par ton défunt frère nous revienne à nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ainsi, tu dois agir sagement. Fais confiance à ton amour. Mon mari, ce garçon que tu vois au nom de Jidenna, quand il va grandir ici, il va prendre le contrôle de toutes choses et plus personne n'aura à lui dire un mot et on sera perdu. Est-ce que tu comprends ceci? Nous risquons de rester même réduits. Je suis d'accord avec toi. Ogoya. Oui. C'est pourquoi tu dois agir. Je vais y aller. Tu pars maintenant? Je vais y aller. Bébé, très bien. C'est bon, je suis très contente de toi. Très fière de toi. J'y vais maintenant, oui. Maintenant même, d'accord. Oui, merci. Vas-y. J'y vais maintenant. À ton retour, tu vas trouver la nourriture déjà prête. Salutations, prêtresse. Je viens tout droit des Agos pour te voir. Bienvenue, Nduka, fils de Okafo. Oh, mais prêtresse, comment connais-tu mon nom? Je suis la fille des Amadiora. Je sais tout. Oh. Très bien. Prêtresse, pouvons-nous aller à l'intérieur pour que nous puissions... Non. Je sais pourquoi tu es ici. Alors, dis-moi pourquoi je suis là. Tu as comploté avec ta femme pour tuer Jidenna. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est ça, prêtresse, c'est vrai. Tu as raison. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour ça? Tout ce que tu demandes n'est pas possible. Jidenna ne peut être tué. Il possède une bénédiction immense venant de Dieu. Aucun homme né d'une femme peut le tuer. Prêtresse, je ne comprends pas. Jidenna ne peut être tué. Aucun homme, aucune femme
né d'une femme peut les tuer. Seulement le Dieu qui peut vous prendre sa vie. Un homme ou une femme qui essaiera de le tuer sera tué par les dieux. Je vais vous raconter une histoire très intéressante. Ok, vas-y. Au sujet d'un éléphant et une tortue. Mm. Avec une très jolie princesse. Une princesse? Oui, hey. Et tous les animaux voulaient prendre la princesse en mariage. Oui? Oui. Et parmi tous ces animaux, la tortue était très intéressée à prendre la princesse en mariage. Qu'est-ce que c'est pas ça ici? Bienvenue, papa. Mon mari, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Oui, ça va. Bien. Ok, très bien. Je crois que je vais continuer de vous raconter cette histoire le soir. Ok, maman. C'est compris? Mm-hmm. D'accord, laissez-moi parler avec votre père. Ok. Allez à l'intérieur. Ah, d'accord, allons-y. Un homme. Ah. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Odinaka, Koko. Ogodinatuka. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, où est ce garçon inutile là? Celui qui vous appelait Dinela. Bien, je l'ai envoyé chercher la nourriture pour deux chèvres. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce garçon est étrange. Il a vraiment quelque chose de très bizarre. Est-ce que tu sais que la prêtresse m'a dit que qu'aucun homme, aucune femme ne peut tuer Dinela? Ce n'est pas vrai. Non. Je te dis. Hein? Comment est-ce possible? Que ce garçon possède une bénédiction venant de Dieu. Ah ah! Que veut dire tout ce que tu racontes? Qu'est-ce que je dois comprendre? Une bénédiction des ancêtres? Ah! Comment dois-je comprendre ça? Voyez-vous, je le savais! Ce garçon est très malin. Il est suspect. C'est un vrai sorcier. Tu l'as vu maintenant? Tu vois ce que j'étais toujours dit au sujet de ces garçons? Il est très mystérieux. Il est suspect. Tout est clair. Ce garçon a tué sa mère le jour où il est sorti de son ventre. Oui, oui. N'est-ce pas que c'est ce que j'ai toujours dit? Oui, c'est la vérité. N'est-ce pas que c'est vrai? Exactement. Alors tu t'étonnes pourquoi? C'est un sorcier. Je suis d'accord avec toi. Attends un peu, dis-moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? C'est quoi la suite? Je suis confus. Tu es confus, ça veut dire quoi? Maman Obina, je suis confus. Nduka, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nduka! Mon amour, mm-hmm. Je ne comprends plus rien. Comment peux-tu me dire que Dinela ne peut pas être éliminée? Comment? Allez, chérie. Tu sais, j'ai toujours voulu que mon mari soit le responsable de la mort de Dinela. Pour qu'il reste le seul responsable de son sang. Je lui ai même suggéré d'aller voir un tradit praticien. Il est allé là-bas. Juste à son retour, il me dit qu'on ne peut tuer Dinela. De ce fait, que veux-tu que je fasse? Ah. Je suis tellement confuse. Ça, c'est étrange. Ah. Mon amour, n'avons pas de temps avec nous. Mm-hmm. Il faut que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour éliminer Dinela et ton mari. Oui. Afin que nous vendions toutes ces terres et allions vivre directement en ville. C'est exactement ça, mon amour. Tu sais, toute ma vie, j'ai grandi dans ce village. J'entends parler de la ville, mais je n'ai jamais été là-bas. Je souhaite aller habiter en ville pour tous les restants de ma vie. Pour que nous offrons à nos enfants une belle vie. Ça, c'est exactement... Et c'est ça mon plan. Ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Nous devons agir rapidement. Agissons rapidement. Enfin, tu sais quoi? Hein? Nous devons agir aussi vite. Aussi vite que possible, si on ne peut pas tuer Dinela. Nous passons au plan B, celui d'éliminer mon parfait mari. Parfait comme plan. N'est-ce pas parfait avantageux? Écoute, mon amour, il y a quelque chose que je vais te donner. Qu'est-ce que c'est? Tu vas la mettre dans sa nourriture. Okay. Si ça marche parfaitement bien sur ton mari, cela voudra dire que nous allons également l'utiliser sur Dinela. Dis-moi, es-tu sûr que ça va marcher? Bien sûr. Qui te l'a donné? Ne t'en fais pas, t'as pas besoin de savoir. Attends, laisse-moi te l'emmener.
prends ceci. Hein? Mets-le dans sa nourriture. Tout ça? Non, 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 tu en mettras un peu. Une fois qu'il aura mangé, ok. Il mourra. Es-tu sûr? Et si cela marche parfaitement bien sur ton mari, cela voudra dire qu'on va l'utiliser sur Didenna. Ils partiront donc tous les deux? Bam! Ils partiront comme des mouches, sans même qu'on les touche. Merci. Mon amour, tu sais que je ne peux quand même pas te laisser partir comme ça. Allez, je sais. Tu sais que j'ai besoin d'un petit quelque chose. Je le sais très bien, qu'est-ce que tu allons-y, crois? Allons-y, non, ça commence à se faire. Allons-y maintenant. Allez, lâche-moi. C'est qui la plus sucrée? Allez, tu ne mourras c'est pas aujourd'hui, qui la lâche-moi. Plus sucrée? Ah non, pas aujourd'hui, non. Je t'en prie, non, je t'en prie, non. Ah, ok, ok, d'accord. Allez, vas-y, doucement. Masse-moi, non. C'est bon, non. Oh, allez, je te tiens, non. Allez. Allez, tiens cette nourriture. Tu vas le servir à mon mari dès son retour. Tu m'as compris? Prépare un autre plat pour mes enfants. M'as-tu compris? Je sais que tu ne seras pas en train de traîner le pas comme tu le fais toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois savoir que c'est la seule nourriture que nous avons dans cette maison. Mon mari reviendra à la maison avant mes enfants. Je me dépêche pour le marché. Prends soin de bien garder cette nourriture. Personne ne doit le manger. C'est pour mon mari. Ok. D'accord? Oui. J'espère que je ne suis pas en train de m'adresser à un statut. Qu'est-ce qui a bougé les pieds à tout moment? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vraiment des réactions très bizarres, comme un épileptique. Garde bien cette nourriture. Je crois avoir fait mon point. Qu'est-ce que c'est sale, ces habits? Comment une bonne fille peut arriver à salir un habit à ces points? Hein? Regarde vraiment. Ne me blâme pas, moi. Tu ne lessives pas. Et moi, je le fais pour toi. Je lessive de ma manière. Hein? Je lessive de ma manière. Ne me blâme pas. Hein? Regarde comment c'est sale. Regarde même partout. Je suis vraiment dans la boue? Pas de problème. Judina est là. De toute façon, elle salue les habits. Judena, j'ai très faim, oh. Ainsi, j'ai fini la lessive. La nourriture sera prête. Pourquoi n'as-tu pas préparé depuis le matin? Jusqu'à présent, vraiment, hein? Non, mais je suis en train de faire autre chose. Je dois d'abord finir à faire ce que je fais. Et puis, je vais commencer à préparer. C'est ton travail. Attends, tu verras. Attends, tu verras. Donc, tu veux que je laisse toutes ces histoires pour préparer pour toi? Ce n'est pas bien ça. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Judena. Bam, 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 bam. Donne-moi ça. Alors, tu as gardé toute cette nourriture juste pour toi, hein? Non. Écoute, ta mère m'a donné cette nourriture spécialement pour ton père. Donne-les-moi. Pardon? Si mon père revient, je lui dirai que c'est moi qui ai mangé cette nourriture. Tu connais très bien ta mère. Elle va me frapper. Je ne vais pas avoir des problèmes. Donne-moi seulement la nourriture. Quitte-la. Quand mon père reviendra, je lui dirai que c'est moi qui ai mangé cette nourriture. Je ne fais plus des problèmes. C'est si quoi ça? Si tu fais ça, j'aurai des problèmes avec la ta ferme, mère. Quitte-la. Tu me mets dans le trouble. Elle m'a bien précisé que cette nourriture, elle est pour ton père. Hey. Hey. Si ta mère revient ici, elle va me blâmer. Elle va me frapper. Je ne fais pas tous ces problèmes. S'il te plaît, donne-moi seulement la nourriture. Hein? C'est la nourriture de ton père. Dieu m'est témoin. J'ai essayé de t'arrêter et tu n'as pas voulu. Hein? Tu vois, c'est Dieu. C'est Dieu te punira. C'est Dieu, il te punira. Donc, tu as pu garder la nourriture. C'est Dieu, il te punira. Mon Dieu m'est témoin. Parce qu'elle va venir ici, elle va commencer à me frapper. Pour rien du tout. Ce garçon est vraiment méchant. Très, très méchant.
Désolé, mon estomac. Aidez-moi. 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 Désolé. 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 Aidez-moi. Désolé. Désolé. Tiens, tu es bienvenue. Je ne sais pas où. Elle a mal à l'estomac. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, Tanti. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu l'as fait? Elle a juste mangé la nourriture pour papa. Je n'ai rien fait du tout. Mais voilà, je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. C'est elle qui a mangé la nourriture. Que je t'ai dit de les garder pour mon mari. Je lui ai interdit, elle n'a pas voulu. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Regarde, mais là, tu me causes des problèmes. Adako. 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 Didina. Didina, tu as tué ma fille. Je t'en prie, réveille-toi. Didena, tu m'as fini. Didena, qu'est-ce que tu as fait? Didena, Didena, tu m'as fini. Je n'ai rien fait du tout. Didena, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Oh mon Dieu, mon unique fille. Adako, réveille-toi, Adako, réveille-toi. Oh, Adako. Je n'ai rien fait. Adako, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Mon mari, oh mon mari. Qu'est-ce qui se passe ici? Didena, j'ai laissé de la nourriture à Didena pour toi. Je ne sais ce qu'il a rajouté dedans. Il a donné à notre fille et après qu'elle ait mangé, elle est tombée morte. Oh, je ne sais ce qu'il a fait à notre fille. Mon unique fille est morte. Non, fais-toi, fais-toi. Depuis quand? Je n'ai rien fait du tout, je n'ai rien mis. Adako. Je n'ai rien mis de la nourriture. Hey! Didena, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Oncle. Parle maintenant, sorcier. Qu'est-ce que tu as fait? Oncle, je jure sur la tombe de mes parents. Je n'ai rien ajouté dans la nourriture. Je n'ai rien fait du tout. Tu mens! C'est pas comme ça qu'elle m'a donné la nourriture. Hey, et c'est comme ça qu'elle a mangé. Tu mens! Tu as tué ma fille! Hey, je n'ai pas tué ma fille! Tu as tué ma fille! Toi, tu es ma fille! Oncle, je n'ai rien fait. Oncle, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Je suis devant Dieu, oncle. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Hey! Hey! Tu es en train d'essayer de me dire que notre propre fille est morte? Est-ce là ce que tu es en train de me dire? Oui, mon amour, hey. Elle est morte! Hey! Écoute, mon mari, j'avais mis cette substance dans la nourriture. Dans la nourriture que j'avais gardée pour mon mari. Elle est venue, elle a pris à manger. Elle est morte depuis hier. Hey! C'est ce qui s'est passé. Ça c'est très mal. Ça c'est vraiment très mal. Ma propre fille. Oh mon amour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas ce que nous allons faire du tout. Tu ne sais pas, tu dis. Je suis confus en ce moment. Comment? J'arrive toujours pas à y croire que nous avons tué notre propre enfant. Notre propre enfant. Mon mari, je dois m'en aller maintenant. Okay. Sinon, mon mari sera en train de me chercher. Pas de problème. Je te verrai plus tard. Tu me verras plus exact, tard. Exact. Je dois donc m'en aller. Oui, vas-y, non. Je te verrai plus tard. Ok. Hey. Je m'en vais. J'ai dit aucun problème. Je te verrai plus tard. Ça veut dire quoi ça, je m'en vais? Hey! Oh mon Dieu! Je viens là maintenant de me tirer une balle en pleine jambe. Hey! J'ai tué ma propre fille. Ma propre fille. Timo. Mon mari. Nous devons faire tout ce qui est de notre possible
pour éliminer Jidena. Il est malin. Très méchant. C'est un surnom, un vrai sorcier. Qui tue par l'épée. Mourra par l'épée. Regarde comment il a tué mon unique seule fille. Hi. Tu vois. Tiens, ma fille unique. Tiens. Écoute-moi, Agnès. Essaie un peu de réfléchir. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le karma qui nous fait tout ça? Comme ça. Le karma? Hein? Comment? Oui, dis-moi comment, Nduka. Nous avons essayé de tuer Jidena. Mais c'est notre fille qui est morte à la place. Hein? Qu'est-ce qui te dit que ce ne sont pas les dieux qui nous punissent comme ça? Pour ce que nous planifions. Nduka, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tu as tout le temps des pensées tournées vers la négativité? Pourquoi tu es toujours pessimiste? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Jidena a tué ton frère. Il a tué sa femme, ses propres parents, le jour où il est né. Maintenant qu'il a encore réussi à tuer mon unique précieuse fille, mon unique perle précieuse. Et tu es en train de chercher les karmas. Non, continue de croire que c'est les karmas. Tu peux penser comme tu veux, mais laisse-moi te dire. Il n'y aura pas la paix dans cette maison. Il n'y aura pas la paix, oh, jusqu'à ce que tu venges la mort de ma fille. Notre fille. Marque mes paroles. Oh, mais Agnès, attends. Écoute-moi, Agnès. Reviens ici. Reviens, nous allons planifier ça ensemble. Reviens ici, Agnès. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis fatigué. Ma chère femme, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît, de t'avoir blessé d'une manière ou d'une autre. D'accord, s'il te plaît, je te promets une chose maintenant. Hein? Tout ce que tu vas dire ou tu vas faire, je veux m'y accorder. Mmh. Oui. Es-tu sûr? Oui, parce que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ok. Mais, en tout cas, mon amour, nous devons finir par éliminer Jidena. Oui, ce garçon est malin. À moins que tu la laisses achever toute ta lignée. Ça ne se fera pas. C'est pourquoi nous devons faire tout de notre possible pour l'éliminer. Il doit disparaître de la surface de la terre. Laissons-le aller rejoindre ses parents. C'est puis, pas ça. Écoute-moi, ma femme. Dis-moi, est-ce que tu as un plan? Oui, j'ai un plan. Mon plan, c'est... tu sais, il y a un zéwagne. Qui habite à la partie ouest de Oracle. Oui, tu dois faire ce voyage pour aller le voir. Mais laisse-moi te demander. Comment parviens-tu à connaître tous ces divers et ces éloignés? Oh, Nduka, écoute d'abord ce que je t'ai dit et arrête de me poser la question de savoir comment je suis arrivée à ce grand sage. Tu n'as qu'à m'écouter. Oh, ok. Ouvre juste tes oreilles pour bien comprendre ce que je suis désolé. Allez, avance. Ok, bien. Maintenant, ce que tu diras à Aise et moi, et dès que tu arrives là, c'est que nous voulons éliminer à tout prix Jidena. Et ses plans est celui-ci.
tu lui diras que nous voulons que Jidena jure sur l'innocence de la mort de notre fille. Et c'est pendant ce processus qu'Eze et moi va l'éliminer et le tuer pour de bon. Hey, Itia, Itia, Jidena doit mourir parce qu'il n'est pas innocent. Oh, tu parles de l'innocence. Moi, je ne suis même pas préoccupée de savoir s'il est innocent ou non. Tout ce que je sais, que c'est Eze Moye va lui donner une substance dans laquelle il mettra quelque chose. Et dès qu'il va le prendre, c'est là qu'il mourra dans le processus. Et si notre chemin sera libre, c'est tout. Oublie cette question d'innocence. Oh. Ici, il n'est pas question d'innocence ou non. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est de le tuer. C'est tout. Bien. Ah. Bien. Très bien. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas aller ensemble? Bah, je ne peux aller avec toi. Tu iras seul. Moi, je dois rester veillée sur la maison et sur notre enfant. Tu sais que Jidena, c'est un enfant très sournois. Il est très malin. Il risque de faire du mal à celui qui me reste. Je dois être là pour veiller sur lui. Itia. Tu n'as qu'à y aller. Itia. Vas-y. Je t'attends au retour. C'est bon, mon amour. Bah, tu me trouveras ici. Écoute-moi. Je ferai tout ce que je peux. Je ferai tout ce que je peux pour te rendre heureuse. Tant que tu es heureuse. Oui, je sais. J'ai le droit d'être heureuse parce que je fais tout ce que je peux pour garder les propriétés et le bien que ton frère a laissé étant qu'une bonne femme. C'est ça mon souci. C'est tout ce qui me préoccupe. Tu es une bonne femme. Tu es une femme vertueuse. Merci mon amour. Viens. Maman, vous êtes venue épouser Delo? Je ne suis pas venue épouser Delo. Il fait très chaud aujourd'hui. Oui. Donc je suis venue prendre de l'air frais. Oui. Et aussi boire de l'eau. Oh, ok. Mais mon dos ne me permettra pas d'entrer jusqu'au milieu pour puiser de l'eau. Peux-tu m'aider avec de l'eau à boire? Bien sûr. Merci, mon fils. Est-ce que ça vous suffit? Oui. D'accord, je vais aller puiser ici. Maman, j'ai fini. Tu pars maintenant? Oui. Attends. Puise pour moi encore de l'eau. Ok, je vais déposer les bidons. Maman, voici de l'eau. Cette fois-ci, c'est pour toi. Pour moi? Oui, pour toi. Bois-le. Du fait que tu as bu cette eau, aucun mal ne t'atteindra. Et c'est... Du fait que cette eau est entrée dans ton corps, rien de tout ce que tu mangeras ou ne vivra, ne pourra te faire du mal. Il sait. Tout ce que tu toucheras se transformera en bénédiction. Merci, maman.
Merci, maman. Au revoir, maman. Ce que tu démontres est très simple. Je peux le faire. Ah, tu peux faire ça. Merci, Ezewani. En fait, on m'était fortement recommandé. Merci infiniment. Mais ça va te coûter 50 000 Naira. 50 000 Naira, c'est ça. Très bien. Ça ne sera pas un problème. Si seulement ta potion va tuer Jidena, après qu'il l'aura bu, alors je paierai, oui, sans problème. D'ailleurs, je te donne l'argent immédiatement. En fait, Ezewani. Je vais préparer la potion avec le cœur d'un chien. Dès qu'il le buvra, il mourra immédiatement. Bam! En fait, merci Ezewani. Merci beaucoup. Dans quelques jours, Jidena devra jurer. Tu peux partir. Je peux partir. La plus grande Ezewani. La meilleure Ezewani. Mon amour, t'inquiète. J'ai envoyé mon mari pour aller voir les émois et Oracle. Dès que Jide va jurer, il va mourir. Et juste après, nous pourrons aussi éliminer mon mari. Même si ça demanderait à ce que je le tue moi-même de mes propres mains, je le ferai et nous partirons en ville. N'est-ce pas un bon plan? C'est un parfait plan, d'ailleurs. C'est un bon plan. Très bien. Mais je... La mort de ma chère fille me dérange encore dans mon cœur. Je sais mon amour, mais ça fait partie du passé. Nous pourrons toujours mettre au monde autant d'enfants que nous pourrons et aller habiter la ville. Il n'y a pas de souci. J'ai hâte d'aller en ville. Je vais aller habiter en ville et profiter de la vie, mon mari. C'est d'accord mon amour. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu vois là où mes yeux pointent, n'est-ce pas? Devine ce que je mon veux. Mon chéri. Allez, essuie tes larmes. Alors enlève-moi ces yeux. Ça ira, on aura encore autant d'enfants. Tu écoutes? Écoute, il y a quelque chose de très important qu'il faut que je te dise. Ah, je connais la chose. Je vais te dire à l'intérieur. Oui, tu me le diras à l'intérieur. Tu passeras aujourd'hui devant. Moi, je serai derrière toi. Que j'aille devant. Allez, attends, devant. Je vais marcher comme toi. Allez. Devant. Mon mari, hein. La vie. Ouais, nous sommes des citadins. Tu vois, je n'ai même pas besoin de vivre. Allez. Jidena, es-tu sûr que tu n'as pas une mainmise au sujet de la mort de ta cousine Adako? Prêtresse, je le jure sur la tombe de mes parents. Il est en train de oui, c'est lui qui l'a fait. Il doit payer je pour sais ça. Pas ce qui lui est arrivé, honnêtement. Menteur, tu mens, Jidena. Tu as tué tes parents. Oui, oui. Maintenant, tu as tué mon unique fille. Exactement. Adako. De faire notre fille. Oui, notre fille. Vous Amadura te tuera aujourd'hui. Exactement. Oui. Maintenant, tu peux voir comment tes péchés t'ont rattrapé. Tu pensais quoi? Tu paieras les pots cassés. Silence. Silence tout le monde. Maintenant, Jidena, lève-toi. Tu dois boire cette potion. Si tu as une mainmise au sujet de la mort de ta cousine, tu mourras dans 2 jours. Oui! Mais si tu es innocent et que tes mains sont propres, tu vivras. Non, il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Non, jamais. Il ne peut être innocent. Ceci. Prends-le. Bois. Oui, mais vas-y, bois ça, vas-y. Bois, allez, bois ça, vas-y. Oui, bois ça.
bois tout. Excuse-moi. Bois-le, vas-y, finis les bois. Bois ça, vas-y. Bois, vas-y. Finis les. C'est bien. Que Amadio Wa soit notre juge. Salut, belle jeune fille. Mes salutations, monsieur. Ah, bonjour. Quel est ton nom? Je m'appelle Oloma. Oh, très joli nom pour une très belle jeune fille. Mon nom est Onoka, le seul et unique homme dans ce village qui a pu voyager en ville et est revenu au village. Et donc, si tu acceptes d'être mienne, je vais t'emmener en ville une fois que je retournerai là-bas. Si vous pouvez réaliser vos promesses, alors je serai à vous. Hey, je peux tenir toutes mes promesses. T'en fais pas. Mais au moins, est-ce qu'on peut aller chez moi afin que tu connaisses ma maison, tu comprends ça? Ok, je suis tout à toi. Juste comme ça. Mon homme. Hey, Seigneur, mon Dieu. Honnêtement, je vais te dire merci. Homme. Merci d'avoir accepté. Oh mon Dieu. Hey. C'est à ton tour de me porter. Alors, maintenant. C'est ton tour. Et tu sais que tu peux me porter? Oui, je peux le faire. Très bien, on va voir ce que tu peux faire. Je ferai tout pour toi. Ok. Montre-moi ce que tu peux faire. Je suis très lourd. Depuis, tu sais, c'est moi l'homme et pour cet amour que je porte pour toi, laisse-moi te porter jusqu'à la maison. Ok. Allez, on y va. Allons-y. On y va. Oh ma hanche. Alors, tu as un magnifique corps de rêve. Viens là, mon amour. Tu es la plus belle des filles que je n'ai jamais vue dans ce village. Merci. Et je te promets. Tu es génial. Merci, mon amour. Et je promets de t'aimer pour le restant de ma vie. Et je t'aime grave. Oh. Viens là. J'ai quelque chose à te dire. Ok, dis-moi. Tu es sérieuse? Je t'ai Viens, dit. Tu fais quelque chose aussi. Je te ferai pareil. Viens là. Tu sais quoi? Ouais. Allons-y à la maison et en finir une fois pour toutes. Oh, tu veux qu'on aille à la maison pour que tu en finisses avec moi? Oui, allez, monte sur mon dos. Oh, tu veux porter jusqu'à la maison? Oui. Mais quand je compte les jours, il devait déjà mourir, n'est-ce pas? Sois calme. Ne t'agite pas. Il mourra. Je ne t'ai pas envoyé là-bas en vain. Bonjour, Anglais. Ah, bonjour. Tantine, bonjour.
Je veux aller à la rivière pour puiser de l'eau pour la maison. Oh, très bien. Très bien. Oh, écoute, viens là. Hein? Aïe! Aïe! Toi, tes amis sont déjà allés à la rivière au moins 5 fois. Oh. Et c'est maintenant que toi tu vas. Oncle, je m'excuse, je m'excuse. Toi, la seule chose que tu sais faire ici dans cette maison s'appelle manger. Manger. Maintenant, va-t'en d'ici, va-t'en, va-t'en, disparaît. Un idiot. Garçon inutile. Paria, regarde-le. Singe. Comment peut-on les gens qui font les genres de choses C'est ça. Des sorcières et des sorciers. Et n'importe toi. Quoi. Imbécile. Hé, hey, toi là, hé, hey, hé hey. Oui, toi, viens Reste, là. Il va presser ses pas. Presse tes pas. Calme-toi, mon mari. Quoi. Eh, maman Obina, ça fait 3 jours. Rien ne s'est passé. Ah. Es-tu sûr que ce garçon va mourir? Mon mari, oh. Ne te dérange pas trop. Laissons passer 2 jours pleins du marché. Les dieux vont sûrement le tuer. Il mourra. Il va mourir. Est-ce que tu es sûr? Parce que Ezewan nous a dit que ce garçon devait mourir dans 2 jours seulement. Mais voilà. Importe, mon mari, oublie-le. Oublie-le. Ezewan a dit ceci, Ezewan a dit cela. Mets tout ça de côté. Il mourra demain. Même sous son sommeil. Il mourra. Nous serons surpris de le voir être achevé de demain avant la levée du soleil. Ne te dérange pas beaucoup, il va partir. Très bien. Il mourra. Oui, il mourra. Repose ta tête, mon mari. Sois relax. Attends, je t'apporte un autre. Il faut que tu fasses très vite. T'inquiète. Attends, il n'est pas encore mort. J'étais là quand Ezewan a dit qu'il mourrait juste après 2 jours s'il n'est pas innocent. Oui, cela détermine que cet homme est innocent. Innocent pourquoi? S'il est innocent, qui alors a tué Adaku? Ah, vraiment, oh. Ma mère avait dit que ses parents étaient morts le même jour de sa naissance. Il ne peut pas être innocent, fils du diable. Que les dieux nous aident et nous sauvent en cette période. Il sait. Moi, je ne sais même plus en quoi d'autre je peux croire. Au... Crois à ma mère. Puisons de l'eau et allons-y. Hey. Oui. Regarde comme il nous regarde et je ne sais même pas ce qu'il est en train de se dire. Esprit démoniaque, fils du diable. Enfant méchant. Enfant maléfique. Oui, allons-y. Dépêchons-nous. Allons-y. Bien, allons-y. Fils du diable. Allons-nous-en. Attends-moi, non? Allons-nous-en. Oh, mon amour. Oh, comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que tu dînes moi? Mon amour, je ne sais ce qui se passe. Je ne sais quoi dire. Mais il est toujours en vie. Aye. Mais je ne sais dire ce qui se passe réellement. Mais il a pris la potion que Ezewan lui a donnée. Hé! Hey, il l'a bu. J'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux, en train de le boire. Il l'a bu. Jusqu'à les finir. Je ne sais plus ce qui se passe avec lui. Es-tu sûr que ton cher mari avait parlé à Ezewan à propos du plan de l'éliminer? Mon mari m'a rassuré d'expliquer à Ezewan ses plans avec tous les détails. Je ne comprends plus rien. Es-tu vraiment sûr que ton mari lui a dit tout? Parce qu'à ce point, je ne crois vraiment plus en ton mari. Je ne le crois pas. Oui, tu peux avoir raison. Oh, oh. Ok, tu as raison. C'est vrai. Parce que je ne fais plus confiance à cet homme. Je n'ai plus confiance en lui.
Oui, tu as raison, il est très suspect. Deux fois, il se comporte bizarrement. Il n'est pas fixé, des fois, je ne le sens pas être avec moi. À ce point, à ce tu point. Tu dis la vérité. À ce point maintenant, hein, que faisons-nous? Mon mari, ne te dérange pas beaucoup. Je vais aller voir Ezemoy, moi-même. Peu importe ce qui nous coûtera pour arriver à nos objectifs, hein, je le ferai. Alors, si mon mari est avec Jide meurt, Wane, je m'entretiens déjà avec les bailleurs pour la vente de ces terrains. Okay. On va vendre toutes les propriétés et nous bougeons directement pour la ville. Bam. Ne vois-tu pas que c'est un bon plan? C'est un très très bon plan. Alors mon amour, on fait quoi après? Emma, tu sais, j'étais en train de partir au marché. Laisse-moi en finir d'abord, ok? Comme ça, je vais aller voir Ezemoy et après. Ok, okay? Je reviendrai après. Aucun problème. Viens, non? Allez, viens. Attends-moi. C'est bon maintenant. Je reviendrai, oui, vas-y, ok? Vas-y. Je ne traîne pas. Aucun problème. Je suis allez, à toi. Vas-y, non. Paix des temps. Hey! Mais un instant. Pourquoi est-ce que cet imbécile de Jidena refuse de mourir? Pourquoi a-t-il refusé de mourir? Hey! Hey! Nawa Ijoma. Ok. Ok. Grande maîtresse. La plus sage de tous les Ezemoy. De tous les 6 villages de Orago. Je vous salue. Agnès, femme d'Induka, tu es la bienvenue. Merci, Ezemoy. Ezemoy, Jidena est toujours en vie. Il n'est pas mort. Je suis préoccupée de savoir si mon mari vous a donné des instructions comme il fallait. Non. C'est pas possible. Il devait être mort en ce moment. Mais il n'est pas mort. Il est en vie. Quelque chose ne va pas. Êtes-vous sûr d'avoir suivi les instructions que je vous avais données? Oui, je le fais. Nous avons fait tout ce que vous nous avez demandé. Nous l'avons fait. Bizarrement, il n'est pas toujours mort. Ah, je croyais que tu étais venu me remercier pour le travail accompli. Non, je ne suis pas venu vous dire merci. Il est toujours en vie. Je n'en reviens pas. La potion que je t'avais remise, je l'avais préparée moi-même. Avec le cœur d'un chien. Mais t'inquiète pas, j'ai une autre potion très puissante. Je l'avais préparée avec le cœur d'une vierge. Je vais te les donner. Mets-les dans sa nourriture. Une fois qu'il le mangera, il mourra immédiatement. Très bien, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Oui, qu'il meure. Oui. Ok. Mais Agnès, cela te coûtera 100 000 naira. Ok, y a pas de problème. Je paierai 100 000 naira, mais je te donnerai d'abord la moitié. Quand le travail sera fait, je vais te rajouter le reste. Est-ce que ça vous va? Ok, mais tu dois respecter ta promesse. Donne-le. Ezemoy, que ma parole soit mon jugement. Prends ceci. Prends-le. Mets-le dans sa nourriture. Il va mourir immédiatement après avoir mangé. Jidena. Non, prends place, assieds-toi, reste assis. T'inquiète. Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, mon fils. Tout ira bien. Arrête de pleurer. C'est fini, c'est bon, arrête de pleurer. Ok. Essuie tes larmes. Ne te dérange pas. Ça va aller. Je suis désolée pour t'avoir maltraité. Depuis tout ce temps. Oui. Je suis désolée, hein. Pardonne-moi.
Tu m'as entendu? Oui, tante. C'est bon. Je sais que tu n'as pas mangé depuis hier. Hein? C'est pourquoi je t'ai apporté cette nourriture. Allez, tiens. Très bien. Tu peux l'ouvrir et manger. Mange maintenant. Mange! Tout ça, c'est pour moi. Oui, tout ça, c'est pour toi. Je suis là, je t'accompagne à table. Mange-les, c'est fini. Tanti, tanti, je n'ai pas mangé depuis hier. Je sais, c'est pourquoi je te l'ai apporté. Je vais tellement faire. Il n'y a pas de souci, mon fils. C'est pourquoi je suis là pour toi maintenant. Hein? Finis-les, mange, finis tout. Tu sais, c'est parce que j'ai compris que dans la vie, tu es innocent. Je suis innocent. Et je sais que tu es innocent. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis vraiment désolée, ok? Mange. Vous voulez aussi manger? Non, ne te dérange pas. Tu peux le finir toi-même, ok? J'ai déjà mangé le mien. Ne te dérange pas pour moi. Tu peux le finir tout. C'est pour toi, ok? Je vais aller prendre pour toi de l'eau, d'accord? Tu peux manger autant que tu pourras, ok? Tu peux le finir, il n'y a pas de souci. Je prends pour toi de l'eau. J'arrive. Eh, merci, mon Dieu. J'ai enfin mangé. Mais donne-moi la nourriture. J'ai pensé que maman avait dit que tu mangerais plus la nourriture dans cette maison. Mais c'est maman qui m'a donné la nourriture. Mais qu'est-ce que tu fais? Maman, de que tu parles? Laisse-moi, laisse-moi ton riz. Quelle donne-moi. Je vais être du fléau. Je vais être du fléau. Hein? Donne-moi la nourriture. Bon, laisse-la. Je vais être du fléau. Donne-moi la nourriture. Laisse-la. Laisse ma nourriture. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Obina! Maman! Hey! Maman! Obina! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Obina, et qu'est-ce qu'il y a? Obina! Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Je n'ai rien fait, il est venu juste manger ma nourriture. Oh! Jidenna, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Jidenna! Oh, mon amour. Tu es tellement magnifique. Et toi, t'es génial. Dieu merci, tu es là. Oui, je suis là, mon amour. Peux-tu, s'il te plaît, m'emmener au 7e ciel? Et wow. Vas-y, donne-le moi, bébé, viens là. Oh mon Dieu. Allez, doucement. Je vais pas aller doucement, bébé, viens là. Oh merde. Oh bébé. Oh bébé, emmène-moi au ciel. Oh bébé. Oui, vas-y, bébé. Qui est-il? Le pire est arrivé. Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils Obina est mort. Hey, Jimo! Mon fils est mort? Mon seul Obina est mort? Comment? Comment est-ce arrivé? Luca. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle fait entre tes mains? Mais c'est quoi ça? Vas-tu te taire au moins? Vas-tu te taire, dis-moi? Vas-tu me dire ce qui se passe? Tu vois maintenant ce qui se passe? Je t'avais dit que j'avais l'impression que c'était le karma qui nous faisait tout ça.
Mais tu ne voulais pas m'écouter. Voilà que nous avons maintenant perdu notre seul fils, Obina. Notre unique fils, Obina. Hey! Dis-moi. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié. Je t'avais dit que je ne voulais pas faire partie dans toute affaire qui concerne l'élimination de Jidena. Mais toi, tu ne voulais pas m'écouter. Non, tu ne voulais pas m'écouter. Voilà ce qui est arrivé maintenant. Je vais tuer ceci à cause de toi. Nous voulions tuer Jidena. Maintenant, nous sommes sans enfant. Tu vois ça? Je voulais garder pour toi le bien de ton frère. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien que j'ai perdu mes enfants. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Non, je ne ferai plus ça. Tu m'as bien entendu. Je ne ferai plus jamais ça. Voilà qu'on n'a plus d'enfants maintenant. Hein? Très bien. Maintenant, tu as vu. Tu es prof, c'est ça. Faible. Maintenant, tu es forte, c'est ça. C'est ça. Je ne ferai plus ça. Je le fais pour toi. Tu fais ça pour qui? N'importe quoi. Je ne ferai plus ça. C'est à cause de toi, en tout cas, que je le fais. Je ne l'ai pas fait. Seulement pour moi-même. Je ne l'ai pas fait pour moi-même. En tout cas, ce n'est pas pour moi-même que je le fais. Douka, reviens ici, reviens Douka. Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Et moi encore, j'ai besoin de toi, peu importe ce que je t'ai causé, pardonne-moi. Agnès, écoute-moi bien. Je ne suis plus du tout intéressé dans cette histoire d'élimination, je ne sais pas pourquoi. Exact. Nous sommes maintenant sans enfant. Souviens-toi que j'étais en train de faire tout ça bien avant. À cause de nos enfants, et là, ils ne sont plus de ce monde. Alors, mon mari, qu'est-ce qui est aussi difficile à comprendre? Nous pourrons mettre au monde des enfants autant que nous pourrons. Je ne comprends rien, là, à ton âge actuel. Sérieux, à ton âge? N'as-tu pas atteint ta ménopause? Arrête de me déranger. Je ne suis vraiment plus intéressé. Pardon. Onoka. Onoka, ce n'est pas toi qui dois me dire ça. Rappelle-toi, j'ai vendu beaucoup de terres, c'est donné cet argent. Vends les terres et garde l'argent pour toi-même. Je ne veux plus du tout de l'argent. Je ne veux plus de rien du tout. Laisse-moi juste tranquille. Non, mon amour. Non, tu ne me feras pas ça. Non. Allez. Non. Hey. Non. Écoute-moi, femme. Si tu continues de me déranger, j'irai directement voir ton mari et lui parler de tous tes plans pour l'éliminer. Non, tu ne me feras pas ça. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si je dis à ton mari à propos de tous tes plans pour le tuer, là, sache qu'il va te mettre hors de sa maison. Non. Notre terre, où êtes-vous? Timo, mon Dieu, le Dieu de notre terre. Les enfants, je suis resté sans enfants. Calmez-vous, arrêtez de pleurer. Vous n'avez pas tout perdu. Vous m'avez, moi, et je peux rester votre enfant. S'il vous plaît. Mais va-t'en! Malin que tu es, va-t'en! Tu as réussi à tuer mes deux enfants. Jidena, tu ne vivras pas la paix dans ta vie. Disparais de ma présence. Tantine, tu n'es qu'il a foudre sa botte sur cette chose que tu appelles bouche. Maudit d'enfant que tu es. Tu paieras le prix de tes péchés. Jidena, tu mourras. Tu paieras le pot cassé. Tu suivras mes deux enfants, Jidena. La foudre s'abattra sur cette bouche. Jidena.
Non. Non, ne t'inquiète pas. Assieds-toi. Assieds-toi. Hey. Ah. Jidena. Comme tu le sais déjà. Tes parents, mon frère et sa femme sont tous morts le jour de ta naissance. Maintenant, j'ai perdu les deux seuls enfants que j'avais. Et cela fait que toi et moi soyons le seul survivant. Les seuls survivants dans notre lignée. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors je vais profiter de cette opportunité pour te présenter mes excuses. Je suis vraiment désolé pour tous les mauvais traitements envers toi. Désolé. Et j'ai fait tout ça par avidité, par désespoir, par jalousie. Et je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît, mon fils. S'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolé. Oncle. Oncle, je vous pardonne. Je n'ai aucun problème contre vous et votre femme. Tout ce que je voulais, c'est faire partie de cette famille. Prenez-moi comme votre propre fils. C'est tout. C'est bon. Au revoir, tout va bien. C'est bon. Judé. Tu as vraiment un grand cœur. Tu aurais dû connaître Guillaume. Un très bon cœur que tu as. Et ton chi est très fort. Oui, je te dis vrai. Tu ne peux pas imaginer tous les moyens que ma femme et moi avons imaginés pour te faire tomber. On a essayé. Ça n'a pas marché. Ma femme et moi avons pensé à toutes sortes de mal afin de nous rassurer que tu sois vraiment illuminé. Ton chi était et est toujours à tes côtés. Certainement. Bien. Je vais t'amener au terrain à côté de Melia Aguede pour voir le bien et le terrain de ton père. Il a beaucoup de biens et beaucoup de terrain. Et il a une usine d'huile de palme dont tu n'as sûrement jamais entendu parler. Je vais tout te montrer. Tu entends? Oui. Dès demain, tu viendras avec moi et je vais te montrer tout le bien de ton père. Oui. De sorte que... Alors, tu peux prendre tout ce qui te revient des droits. Ça t'appartient. C'est à toi. Oncle, merci. Merci, je ne savais pas que mon père avait toute cette propriété. Merci, oncle. Pour te dire vrai, ton père était vraiment, vraiment riche avant sa mort. Alors maintenant, toutes ses propriétés sont maintenant à toi. Pardonne-moi. Je suis désolé. Pardonne-moi. Unoka, c'est l'heure de mourir. Je ne comprends rien là.
Pourquoi n'allons-nous pas à l'intérieur et faisons l'amour d'une manière propre? Toutes tes mauvaises actions s'arrêtent aujourd'hui. Tes ancêtres rejetteront ton corps dans la terre de mort. Oncle, qui a cherché les bois pour préparer? Maman, comment est-ce que vous vous êtes retrouvée ici? Oh fils, dis-moi, dis-moi, qui est-elle? Agnès, il est temps de confesser tout ce que tu as fait. Femme, qui es-tu? Je vais confesser. Je vais confesser. Oui, ok. Mon mari, je suis désolée, je suis tellement désolée. En tout cas, mon mari, je suis désolée. Oh, Bina et Oda, connaissons pas tes enfants. Hé! Hey! Tous ces enfants n'étaient pas à toi, Hey! C'est Onuka qui est le père de mes deux enfants. Hey! Pardonne-moi, je te prie. Aie pitié de moi, Pardonne-moi, Obina. Oh. Obina et sa sœur ne sont pas tes enfants. Ces enfants n'ont jamais été à toi, Je suis tellement désolée. Jidena, mon fils, pardonne-moi. J'ai toujours voulu t'arracher les propriétés et tout le bien de tes défunts parents depuis tout ce temps. C'est moi qui ai tué tes parents. Hein? Hey! Tu as tué mes parents? Ah oui, j'ai aussi comploté de te tuer, toi et mon mari, afin de vendre toutes les propriétés et les terrains pour aller habiter en ville avec mon amour Noka. Hey. Incroyable. Hey. Pardonne-moi, Vikono. Je te prie de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Le salaire du péché, c'est la mort. Tantine. S'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai déjà lavé mes mains concernant tout ça. Oncle, je vous ai déjà pardonné. Je n'ai aucun problème avec vous. How? Calmez-vous.
Ewo. Wame. Oh. Maman. Qui êtes-vous? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.